Bienvenue dans la newsletter d'Alpi City qui résume les actualités du numérique en Suisse occidentale chaque mois avec en bonus un interview pour vous faire découvrir un projet de notre écosystème. Je reçois aujourd'hui Charles Foucault-Dumas pour nous parler d'Estia Labs, une nouvelle initiative qui se dresse contre l'exploitation de données pour rendre le monde numérique plus vertueux et plus durable. L'équipe met ses compétences à disposition pour développer des technologies de privacy by design qui respectent les données personnelles. Rendez-vous en fin de vidéo pour en savoir plus. Passons maintenant aux actualités du mois de novembre. Notre dernière Industry Connect aura lieu le 11 novembre sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé. Nous aurons des partages d'expériences d'entreprises et une table ronde pluridisciplinaire pour aborder les enjeux humains, technologiques et réglementaires. Rejoignez-nous en ligne de 10h à midi. Nous organisons aussi un tech démo sur les chatbots le 9 novembre. DeepLink nous présentera en 30 minutes comment déployer un chatbot en quelques clics sans avoir besoin de compétences informatiques. Notre secrétaire générale Delphine Sétier était l'invitée de Radiolac le 22 octobre pour parler des espaces Metaverse, des enjeux de vie privée et de protection des données en Suisse, ainsi que du futur des métiers. Un podcast de 6 minutes pour éclaircir les enjeux de ces nouveaux défis numériques. Nous offrons un rabais de 15% pour participer au séminaire Stratégie numérique et nouveaux business models les 16 et 17 novembre à l'école 42. Cette formation vous présentera les nouvelles approches et technologies issues du numérique pour identifier des leviers de performance et d'innovation pour la transformation de votre entreprise. Un article sur la tokenisation institutionnelle, qui offre de nombreux avantages comme la transparence et une liquidité accrue des fonds. Un spectre de développement important pour le domaine financier qui vous est expliqué par David Delmy du groupe Wican. Enfin, notre newsletter vous partage l'actualité sélectionnée par nos 7 antennes cantonales et les événements de novembre à ne pas manquer. Vous verrez qu'on y parle beaucoup de numérique responsable. Bonjour Charles. Bonjour Sandrine. J'ai participé à un atelier animé par Estia Labs où on a pu en fait télécharger les données personnelles qui sont accumulées sur nous par les réseaux sociaux, analyser ce que ces informations disent sur nous et comment elles sont utilisées pour nous manipuler. Dans quel cadre est-ce que vous faites cela ? Alors Estia Labs, c'est un projet soutenu par le Fonds Pionnier Migros et on a une équipe d'une dizaine de personnes, de gens très compétents en data science, en machine learning et en développement. Et on met ces compétences à disposition de projets qui veulent utiliser des données personnelles, mais de façon vertueuse. Et ces projets doivent avoir un intérêt pour la société. Est-ce que c'est vraiment possible de développer des services personnalisés tout en protégeant la vie privée des utilisateurs ? Ben nous, on est convaincus que oui. C'est pour ça qu'on fait ça. Et la situation dans laquelle aujourd'hui, on l'a subi. Il y a eu 30 ans de digitalisation un peu à la manière Far West. Et le résultat, c'est cet écosystème très confus, très opaque, où à chaque fois qu'on lit un article en ligne ou qu'on scrolle les réseaux sociaux, on génère des données qui sont basées sur l'analyse de notre comportement. Et ces données sont revendues, recoupées, réutilisées et utilisées à notre insu. Nous, on veut redonner une échelle humaine au numérique. Et c'est pour ça qu'avec nos projets, ce qu'on crée, c'est des collectifs de données. C'est-à-dire que les utilisateurs qui ont un problème, soit avec l'utilisation de leurs données, soit réglables grâce à leurs données, eh ben, on les fait se rencontrer, on les met ensemble, on écoute leurs besoins et on trouve une solution. Et dans cette solution, ils savent toujours quelle donnée est utilisée, dans quel but, et aussi ces données, elles ne s'envolent pas. Elles restent localement sur leur machine à eux. Quoi. Est-ce que vous avez déjà des projets qui sont en cours ? Oui, alors il y en a deux qui sont illustrés et qui tournent autour de nous. Là. Il y a Dating Privacy qui s'intéresse aux applications de rencontres et The Eyeballs. The Eyeballs, c'est l'atelier auquel vous avez participé. Et donc, pour justement révéler ce qui se passe derrière nos écrans quand on scrolle sur les réseaux sociaux, ou quand on lit des articles et qu'on a des pubs qui s'affichent, Estia Labs a développé pour le collectif The Eyeballs des outils très simples d'utilisation qui permettent à quiconque de voir le prix de la pub, combien un annonceur a payé pour nous afficher telle pub et par quel intermédiaire il est passé, et aussi d'analyser les données Facebook et Twitter, ce qui permet de comprendre
quels critères sont utilisés, quelles connaissances ont ces plateformes de vous, mmh. et lequel de ces informations ils utilisent pour vous afficher telle ou telle pub. Donc on peut voir, tel annonceur m'a envoyé tel jour telle pub parce que je suis un homme de presque 40 ans et que j'aime le foot. On a d'autres projets, par exemple avec les travailleurs des plateformes. Les travailleurs des plateformes, ils génèrent beaucoup de données en travaillant. On prend les chauffeurs Uber, par exemple. Ils utilisent une application pour travailler. Et ça, ça génère énormément de données. Et ben nous, on leur propose de récupérer ces données et de construire une alternative. À quoi ça sert ? Ça veut dire que on leur rend la gouvernance sur leurs données, parce que ces données leur appartiennent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont le droit de les obtenir. Et donc, plutôt que d'être dirigés par un géant américain qui ne leur parle qu'à travers un algorithme, là, ils pourraient décider eux-mêmes des règles et reconstruire une plateforme de partage de courses, quoi. Et après, on peut penser l'étape d'après, c'est-à-dire qu'on pourrait être encore plus innovant, c'est qu'à l'échelle d'une ville, des chauffeurs Uber pourraient se dire « Ok, mais on va partager ces données avec la ville et avec le service de transport public pour créer une vraie application d'intermodalité pour les usagers. » Et donc, ça serait une vraie innovation en termes de mobilité. Voilà, ça, c'est deux exemples de projets qu'on a. Ce sont de très beaux projets. Et comment on fait pour collaborer avec vous ? Eh ben, on a un troisième projet parmi tous ceux qu'on a lancés, qui est littératie numérique, où là, on accompagne des hauts cadres dirigeants. Où, là, on est en train de le faire avec des hommes et femmes politiques en Finlande, où justement, on utilise tous les outils qu'on a développés là pour leur faire manipuler leurs propres données. Donc, il y a un petit côté émotionnel qui rentre en jeu. Mais grâce à ça, encore une fois, on rend visible l'invisible. Et donc, ils manipulent et ils comprennent réellement tous ces mécanismes et ces enjeux qui sont vraiment difficiles à appréhender, en fait. Et donc, après, en termes de pouvoir de décision et de compréhension du monde dans lequel ils vivent, que ce soit pour légiférer ou pour prendre des décisions en entreprise, c'est hyper utile. Et tout ça, c'est sur notre site estialabs.org. Ou vous pouvez aussi nous contacter à contact@estialabs.org. Merci beaucoup, Charles. Je vous en prie. Et merci à toute votre équipe pour leur engagement contre l'exploitation de nos données personnelles et aussi pour rendre ce monde numérique plus vertueux et plus durable. Je leur transmettrai. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site ou à nous suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes ces actualités. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain.